Hello, bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Je suis bien arrivée hier soir au Touquet, enfin même hier après-midi, avec William. Je parle doucement parce que je suis la première réveillée. Ce matin, le ciel est couvert. Il n'est que 7h50, donc ça a le temps quand même de se lever. Mais j'ai une envie folle depuis 3 semaines. Vous allez dire, mais qui es-tu? J'ai envie de courir. Je sais, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre pour moi, en fait, parce que je déteste ça. J'en ai parlé avec ma belle-sœur hier. Elle fait du fractionné. Comme on est au Touquet, avec des paysages magnifiques, la mer, la plage, etc. Je me dis que c'est le moment pour reprendre. Donc, je lui ai envoyé un message. On va voir si elle est réveillée. Belle sœur a répondu, je vais vite fait sortir Poppy parce que Poppy n'est pas habituée à courir avec moi. Enfin moi non plus je suis pas habituée à courir avec moi. Je la sors vite fait et ensuite j'y vais. C'est jour de marché. Donc nous allons au marché. J'ai couru ce matin, maman t'en reviens ou t'en reviens pas? Non j'en reviens pas. Là c'est hyper bien, c'est là que t'avais trouvé mes assiettes. Ah maman. Bah elles sont là, regarde. C'est ça qui est bien, c'est que c'est compact. Le beige j'aimais bien aussi. Hein. On vient de rentrer, je vous montre ce que j'ai trouvé au marché. Housse de couette, c'est exactement celle que j'ai en taupe et en blanc également. Et ce qui est bien, c'est que c'est de la gaze de coton. Donc en fait, c'est hyper doux et ça ne se repasse pas. J'en ai pris une beige, j'en ai pris également une céladon. J'adore cette couleur et avec mes rideaux qui sont verts, ça va être très sympa. Et j'ai également pris un drap housse. Et ensuite, je suis retournée, vous savez, dans la boutique où il y a la vaisselle. Je vous ai montré un petit peu parce que William avait cassé mes assiettes. Vous me demandez toujours d'où elles viennent, celles-ci. C'est la marque Bon Bistrot. Et ensuite, j'ai trouvé un petit verre doseur. Et j'ai acheté ce crayon color riche de chez L'Oréal. C'est la teinte 104 Cappuccino. Oh, j'adore parce que c'est un marron qui n'est pas trop foncé. J'aime pas du tout le noir, en fait, sur mes yeux. Comme j'ai les yeux bleus, c'est trop dur en fait. Regardez, vous voyez cette petite couleur, sympa hein. Voilà, et maintenant je vais aller faire une petite salade. Je la mange, on les remange. Oh, c'est voulu pas. Oh, bien sûr. Tu veux la feta? Oui, s'il te plaît. Ça, la finisse. Bon, les deux brebis. Si arrive la poupée, je vais essayer de manger. Je t'ai préparé un petit citron comme ça. Merci. Tu veux des œufs durs ou des œufs moulés? Je les veux à 8 minutes comme ça, ils sont crémeux, c'est bon. 8 minutes, ouais. C'est vrai. Alors, donc il est 15 horaires, c'est sur un chiffre d'affaires qui est entre. Regarde, ça va manger tout seul. Hein. Ah, ça va. Bah, tu lui donnes du poulet, elle mange tout seul. Je mets ça, en même temps, c'est meilleur pour elle. Et les œufs aussi. Oh, maman, t'as pas mis 8 minutes. Comment? Oui, elle a tout. Voilà. Non. Il a pareil. Hein. C'est deux, je les décale. Et voilà la grosse salade, le poulet et les œufs. On s'est changé pour aller sur la plage. Petit cargo. On va à la plage. Un petit verre ici, la paillotte. C'est assez là. Waouh, Marco! Lasagne végé et lasagne à la viande. Maman, ce matin, je vais te faire découvrir une boisson. Tu vas adorer, c'est le Mocha Glow. Wow. De chez M. C'est une boisson à base de collagène. Déjà, la marque, je sais pas si tu connais cette marque. Si, je connais. Parce que, ouais, c'est Mathilde Lacombe qui l'a créée. Tu sais que c'est une entrepreneuse française que j'adore. Elle habite à Reims d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc vraiment à côté de chez nous. Et en fait, c'est une marque in and out qui considère que tout commence de l'intérieur. Et c'est tout à fait nos valeurs aussi. C'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat. Ils font des boissons, des compléments alimentaires et des soins à base de collagène, de probiotiques et de produits naturels. Voilà, exactement. Il y a le Mocha Glow qui est également avec du collagène marin, de la chicorée et du ginseng. Voilà. Pour, ouais, et bien ça va booster tes performances, ça va donner un petit coup de fouet. En plus, redonner de l'élasticité, de la densité à ta peau avec le collagène
pour les petites rides, les ridules, pour mieux cicatriser également. Tu le sais qu'à partir de 25 ans, on perd le collagène jour après jour, donc c'est intéressant justement de venir en apporter à son corps. Alors en fait, tu dois le prendre tous les jours. Dans chaque dose, tu as 10 grammes de collagène hydrolysé. Ça sent super bon. Ah, ça sent bon. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que souvent, ça sent le caramel. Le collagène, ça sent un peu les poissons et tout. Ça, je tout à fait. Pas. Ouais, ouais. Ah, ça sent trop le monde. Ouais, c'est, bah, c'est délicieux, délicieux. C'est délicieux. Hein. C'est pour ça que je vais te le faire. Donc en fait, l'intérêt, que ce soit en poudre, que tu mets dans ton smoothie, dans des boissons ou autres, plutôt qu'en gélule, c'est pour avoir les 10 grammes, la dose journalière D'accord. recommandée. Sinon, tu aurais été obligé de consommer 31 gélules. Oh là. Ouais, pour arriver à la même dose. Bien goûté. Ça a l'air, ça sent très bon. Ça sent très très bon. Moi, j'aime bien le faire chaud. Pour le mocha glow, je mets un lait végétal que je fais chauffer. Le lait est chaud. C'est livré directement avec la petite... Donc, on en met deux. T'en mets deux et demi. Deux et demi. T'en mets une. Ok. Deux. Et la moitié d'une. Donc ça, c'est bien du collagène marin. Ouais, c'est du collagène marin hydrolysé. Surtout, c'est super biodisponible, très très important. Tout est made in France, livré à l'international aussi. Donc tu vois, tu mélanges vite fait. Vas-y, goûte. Mmh. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est délicieux. Tu aimes? J'aime beaucoup. Ouais. C'est doux à la fois. Ouais. Mmh. Très ça très bon. Oui. Voilà. Et je pense que c'est très bien avec du lait de riz. Ah, c'est bien, j'adore. Mmh. Bah écoute, ça tombe bien parce que t'es ramené ça. En fait, vous pouvez tester, il y a des petites boîtes comme ça. Mmh. 5 sticks à l'intérieur. Ah, donc, bien. C'est bien pour partir en vacances donc aussi. Ça, c'est vraiment la dose de, qui correspond aux exactement, deux mesures exactement, et demie. Exactement, ouais. Ça c'est pratique aussi en fait. Ah, c'est bien. Regarde. D'accord. Ouais, on a 5 et j'en avais ramené d'autres pour Marianne et Anso, mes belles sœurs. Bien. Voilà. Mais le goût, j'aime beaucoup le goût. Ouais. Et je suis réconciliée parce que souvent j'ai bah ouais, goûté ça et ça sent le poisson. Bah ouais, le collagène marin, c'est horrible normalement et là c'est délicieux. Là c'est très bien. Mmh. Booste l'hydratation, stimule la synthèse de collagène et d'acide hyaluronique, améliore la texture et l'élasticité de la peau. C'est pour moi. Et en fait, la raison pour laquelle ça améliore aussi ta digestion, c'est parce que les fibres contenues dans la chicorée, justement, améliore le transit, etc. Ah oui. Donc la chicorée, c'est intéressant pour ça également. Si ça vous intéresse, il y a un code promo qui est SleepingBeauty20 qui vous offre moins 20% dès 60€ d'achat sur tout le site M, hors les produits qui sont en collaboration avec d'autres marques. Donc je vous laisse le lien dans la barre d'infos. I could sit around and wait all day. You're lazy on my mind. Like a candle, I just burn away. All we really have is time. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 26 avril
et c'est l'anniversaire de William. Yes. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. C'est la dernière année avant de passer le, ouais, c'est fou. Le cap psychologique des 30. Et justement, comment tu te sens par rapport à ça? Moi, je me sens bien, il me reste encore un an. Est-ce que tu aurais des leçons que tu as apprises en 29 ans que tu aimerais transmettre à ma communauté? Premier conseil que je peux donner du haut de mes 29 ans, choisissez bien votre entourage, les personnes à qui vous allez accorder du temps, surtout dans le cadre d'un couple, la personne avec qui vous allez choisir de passer votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, ça va je pense que ça va être déterminant dans votre évolution. Donc choisissez bien et mettez-vous un à bon quelqu'un. Partenaire. Ouais. Voilà, un bon partenaire. Osez faire les choses. Vraiment, vous bloquez pas parce que vous avez peur de ce qu'on pourrait penser de vous. Vraiment, sentez-vous libre de faire les choses qui vous plaisent et qui vous donnent envie, qui vous stimulent, et de prendre des risques. Ça, c'est important. Après, je ne vais pas donner des conseils trop bateaux, tu vois. Bah non. Des choses, on les entend à tort et à travers, mais c'est juste qu'il faut les appliquer aussi. Après, si vous suivez Marie, vous savez que c'est important. L'hygiène de vie. Ouais, l'hygiène de vie, de manière générale, si vous êtes, vous regardez ces vidéos. On est tous passés par là, hein, autour de la vingtaine, quand tu commences à découvrir l'alcool, les soirées, tous ces trucs-là. Voilà, ne découvrir, mais pas te détruire, tu vois. Ah, c'est bien. Un dernier mot pour la fin. Peu importe l'âge que vous avez, c'est le bon âge pour mettre quelque chose en place et changer complètement de vie. Et rencontrer quelqu'un qui vous correspond et faire les choses qui vous passionnent vraiment. Donc on finit toujours avec plus de remords que de regrets. All you ever do is shine. You are brighter all the time. J'adore ce petit coin, c'est très beau. Bonjour. Comme ça, elle m'aime beaucoup aussi. Elle est super belle. Ah, c'est exactement mes petites lampes à huile. Regardez, nous allons déjeuner chez Abaca. Merci. Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Tu te rends compte que c'est le dernier jour? Oh ouais. On est vendredi, c'est le dernier jour. C'est tellement passé. Ouais. On n'a pas vu la semaine. Je te jure, on doit rendre la maison demain à 10h. On a un train avec William à 10h20. Et c'est le dernier jour. Alors là, on va préparer des petites pâtes parce qu'hier, j'avais fait ma recette de penne. Bah, à l'origine, j'avais fait des rigatoni, mais là, j'ai fait des penne, vous savez, avec la ricotta, tomates séchées, olives, etc. Bah, c'est les enfants qui vont manger le reste. Mais nous, d'ailleurs, il faudra qu'on les descende hein, pour les enfants. Bah, je vais le descendre si tu veux. Ouais. Et nous, on va se faire une salade de pâtes. Donc, j'avais fait beaucoup trop de peine. Et cet après-midi, on va aller faire une grande balade sur la plage pour profiter de la mer et de la plage une dernière fois. Quoi. Je vais descendre ça pour les enfants. Vas-y. De quoi? Ah, ça. Faut que tu leur dises de rajouter un petit peu d'eau chaude dedans pour bien ouais. Remélanger la sauce, tu sais. D'accord. Voilà quoi, donc écoutez, je vais préparer. Là, on a les tomates, je ne sais pas si elles ont été lavées. Donc, avocat, tomates, là, il y a un reste de concombre, il y a encore un concombre. En réalité, il faut vider tout le réfrigérateur, puisque comme on s'en va demain,
bah voilà, on va pas faire de perte. Et ce soir, on va au restaurant pour l'anniversaire de William. C'était mercredi soir. Nous sommes allés dans un nouveau restaurant qui s'appelle Caravane. Et c'était vraiment très très bon. C'est juste à côté de chez Perrard. Oui. Pour celles qui connaissent le Touquet. Il y a une déco d'enfer, c'est magnifique. Non seulement c'est beau, mais c'est très beau. Voilà le résultat de ce qu'on a fait avec maman. Dans cette petite salade à laquelle on va ajouter les pâtes. Et on devra le faire dans un plat plus grand parce qu'il y en a trop. Concombre, avocat, tomate cerise, feta, olive noire, basilic. Qu'est-ce que j'ai oublié, maman? Il va y avoir des œufs durs. Il va y avoir des œufs durs, tout à fait. Ah, et du parmesan aussi après. On va déjà verser les pâtes. Ouais, donne voir l'huile de noisette, s'il te plaît. Ça va être super bon. L'huile de noisette, c'est vraiment mon secret. On a plus beaucoup de pâtes, je trouve. On est 8 quand même. C'est parce que j'en ai donné 3 à William. Oh. Yeah. Parce que William n'aime pas les olives noires. Alors, on a fait un truc à part. Attends, je vais faire une bêtise. Là, je vais poser le... Oula, les œufs là-bas. Yum! Tu crois que ça va être assez? Je sais pas. Vas-y, je goûte. C'est bon? Ah, n'exagère pas non plus. Et voilà le résultat final. Il y a juste. Moi j'adore les smileys, mais vraiment c'est mon truc préféré. Ouais. Il y a gros, il y a plein de petits smileys, et puis le petit porte-clés, c'est un petit smiley. Oh waouh! Wow. Poppy! Liberté!